Wang Yi a déclaré que la Chine et l'Arabie saoudite maintenaient une relation forte et stable. Au fil des ans, les deux parties se sont mutuellement soutenues et ont maintenu des relations étroites au sein d'un certain nombre d'alliances multilatérales, telles que les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations Unies et le Forum tridimensionnel. Pendant des années, l'Arabie saoudite a été le plus grand fournisseur de pétrole brut de la Chine et son plus important partenaire commercial en Asie occidentale et en Afrique. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, le commerce bilatéral a augmenté de près de 30 %, ce qui démontre pleinement l'énorme potentiel de notre coopération. Son homologue saoudien a exprimé à la fois sa reconnaissance et son désir de promouvoir des partenariats économiques et politiques entre les deux parties. Certains experts disent que cette visite vise à explorer des voies pour surmonter la dépendance de l'Arabie saoudite vis-à-vis du marché américain et pour équilibrer les relations entre la Chine et l'Iran. Wang Yi a souligné que la Chine voyait d'immenses potentiels en termes d'investissement et a appelé les deux parties à s'unir dans l'intérêt de leurs relations bilatérales.